Bonjour à tous, aujourd'hui nouveau tutoriel autour d'un des morceaux de mon recueil boîte à outils pour harpe à levier. Alors aujourd'hui on va aborder un morceau, vous allez voir, très spécial. Tout de suite je vous montre la partition, vous allez comprendre. Voilà, alors là il s'agit d'un morceau qui s'appelle Virus, qui est évidemment mon hommage au coronavirus, puisque c'est un morceau qui m'a été demandé pendant que j'écrivais ce recueil. J'ai composé ce recueil boîte à outils en partenariat avec plusieurs professeurs, Aude Fortict des conservatoires de Agen et Marmande, Élise Estavoyer de l'école Arpenchœur de Genève et Julie Sicre de la Haute École de Lausanne. Et dans les requêtes, j'aurais dit « Donnez-moi vos besoins pédagogiques ». Et j'ai eu la requête de Julie qui me demandait « J'aimerais bien une pièce contemporaine pour petit niveau ». Je n'écris pas beaucoup de pièces contemporaines, même si quelque part, enfin, c'est un grand débat, la contemporanéité d'une pièce. Moi, je fais plutôt de la musique qui est modale, plurimodale, avec des dissonances, mais je ne suis pas dans la patte contemporaine. Ce qui fera dire d'ailleurs à peu près à tous les détracteurs, vous avez des grands, grands débats autour de ça. Donc, à partir du moment où vous ne faites pas de la musique contemporaine, vous êtes soit un néoclassique, un passéiste, un conservateur de droite, un royaliste, qu'est-ce qu'il y a d'autre, enfin un nazi. Enfin, à la fin, on y arrive, on est au point Godwin. Donc, de toute façon, ma musique, par définition, c'est une musique d'extrême droite, vous voyez. Enfin, vous ne le saviez pas, mais maintenant, je vous l'annonce. Je vous invite d'ailleurs à écouter la conférence qui a eu lieu au Collège de France. Comment ça s'appelle, avec Ducrot, enfin voilà, alors ça j'en ai parlé avec des gens qui sont très musique contemporaine, je me suis fait mais engueuler, ça c'était le sommet du nazisme, alors bon, où le mec expliquait, alors bon, je veux bien qu'on aime ou qu'on n'aime pas la musique, mais en gros si on fait pas de la dissonance à tout prix pour tout le temps, on est nécessairement passéiste, mais j'assume, en tout cas je veux bien être passéiste. Bernard Andrès, qui est l'homme le plus joué à la harpe, dans le monde de l'harpe, dans le monde, et qui a le plus écrit de partitions, lui peut-être aussi appartient à cette mouvance néoconservatrice, dangereuse. Bref, cela dit, je me suis quand même pris au jeu et je me suis amusé à faire cette pièce. Et je me suis amusé à faire cette pièce, donc au départ comme un cliché, en n'y croyant qu'à moitié. Et il se trouve que ça leur a beaucoup plu, et tant mieux, parce que le but du jeu pour moi, ça a toujours été de faire des pastiches, d'apprendre à se glisser dans les écritures des autres. Et ce que je trouve intelligent, c'est justement ça, c'est d'essayer de comprendre les rouages des autres, de ce qu'ils veulent, de là où il y a une jouissance, et que cette jouissance est appréciée par un public. Parce qu'en fin de compte, tous les débats restent, mais à la fin, on joue devant des gens. Et ces gens, on est soit à Salle Gaveau en train de jouer des choses magnifiques, du genre les 20 regards sur l'enfant Jésus, mais on peut aussi jouer... comme ça m'est arrivé, Wagner dans une église devant, enfin bref, pour une cérémonie religieuse de mariage. Voilà, l'essentiel c'est de jouer pour des gens et que ces gens s'y retrouvent et que ces gens y aient une jouissance à écouter la musique. Bon, de toute façon, je vous avais dit, elle serait différente cette vidéo, elle est un peu plus politique que les autres. Donc ce morceau s'appelle Virus, donc j'ai essayé de mettre dedans à peu près... ce qui pour moi représentait un peu ce côté musique contemporaine. Et d'ailleurs, enfin, je fais quand même une parenthèse, j'adore des musiciens contemporains, mais pas tous. J'adore les pièces de Ligeti, j'adore Messiaen. Et pourtant, pas tout dans Messiaen. Il y a des choses qui sont assez dures à digérer, c'est très intellectuel, mais quand ça ne l'est pas, je trouve que c'est carrément de la musique tribale et je trouve ça absolument génial. Je vous parlais des 20 regards sur l'enfant Jésus, c'est une pièce que je trouve absolument phénoménale. Peut-être que je serai sauvé, j'espère que Saint-Pierre m'ouvrira quand même le paradis pour avoir été néoclassique quand même, ou néo-contempo, je ne sais pas quoi. Je vous montre la partition, donc la partition du diable, attention, attendez-vous à voir le diable en personne. Donc voilà le virus. Donc virus, qu'est-ce que j'ai utilisé? J'ai utilisé tri rapide et souple avec un crayon entre le fa et le sol. Alors là, c'est pour faire cet effet-là. Je vous montre ça en grand écran. C'est ce fameux bisbigliendo, voilà. J'ai utilisé également le son vibré. Alors le son vibré, c'est les petites notes, on ne le voit peut-être pas là, mais c'est des notes en losange, ça veut dire que on appuie, je vous montre, donc on est sur un la par exemple. On essaye d'attraper le quart de ton avec la cheville. Voilà.
Ensuite, on a les fameux sons xylo, c'est-à-dire... Pardon, si je vous mets pas en plein écran, vous n'allez pas voir. C'est-à-dire, ça, c'est très connu des harpistes. Vous mettez un doigt en bas de la corde, ce qui fait que vous étouffez un peu la résonance. Il n'y a qu'une attaque sourde. Ça fait son xylo, en effet. Et si vous appuyez trop, on n'a presque plus rien. On n'a plus qu'un côté pids. Ce qui est intéressant, c'est de relâcher pour avoir quand même une certaine longueur de son. Et pas. Où là, on a presque... pas la note. Vous voyez, on peut vraiment chercher du son xylo. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Très classiquement, des rythmes frappés sur la table et glisser avec l'ongle sur la corde de do. Donc ça se traduit comme ça. Mettez l'ongle à plat. Voilà. Donc on est sur une écriture, et encore, je pense même que mon écriture contemporaine est néoclassique. Hein. Vous savez, le mal est en moi, je ne vois absolument pas comment il pourrait en sortir. Je ne sais pas combien de thérapies il me faudra pour réussir à faire partie de mon temps. Alors, on va tout de suite commencer cette partition. Donc, vous avez vu, c'est une partition d'effet. Alors, 3 bémols à la clé, je ne vous remonte pas le tableau. Ça veut dire que tous les leviers sont baissés, excepté ceux qui sont indiqués juste après. Ré, mi, si, do en clé de sol, c'est-à-dire ré, mi, si et do. Je reviens à la partition. Donc, je vais vous la jouer et... Et comme ça, on va en parler après. Donc, je me mets en grand écran et vous allez pouvoir en profiter. C'est parti pour quelques minutes. Ah, raté. Déjà, c'est avec l'autre main que ça se fait. C'est avec la main gauche. Donc, il n'y a rien de trop sorcier dans cette pièce. Ce sont que des effets qui sont en effet, je pense, intéressants pour des jeunes apprenants de se mettre le nez dans cette musique qui, de toute façon, s'ils font des études poussées en harpe, ils devront passer par un répertoire dit de musique contemporaine. D'ailleurs, il faudra poser quand même la question d'une musique contemporaine qui a été écrite pour certaines pièces il y a plus de 50 ans. À partir de quand est-ce que quelque chose n'est plus contemporain ? Enfin, vous l'avez compris, y a des vraies questions derrière. Bon, bref, on commence main gauche par ce bisbigliendo. Donc, l'essentiel, c'est d'avoir une souplesse du poignet, parce que si vous tenez trop le crayon, ça fait... Voilà, je vais peut-être me mettre en gros plan. Voilà. Donc, il faut trouver l'air sous le bras et la façon de tenir le crayon pour pas faire une tendinite, parce que ça, c'est l'horreur. Ensuite, vous avez la main droite qui fait, je vous montre la touque. Ah oui, si je me mets avec la bonne main. Do, si, do, fa, avec un grand crescendo. Et ensuite, on retrouve ce do, si, do, fa dans un grand crescendo, mais à partir avec des secondes. Donc, do devient do, ré. Si devient la, si. Do reste do, et fa reste fa.
Et ensuite, à la fin du bisbilliendo, là, on fait un écho. L'idée, c'est de travailler sur l'harmonique en réponse pour conclure cette phrase. Ensuite, on retrouve ce la, do, si, do, fa, mais sous forme de tierce. Donc, le do devient la do. Si, do, fa. Le fa passe à l'octave. Et c'est là où on va s'amuser à faire le bisbilliendo. C'est-à-dire, je me mets en gros plan. Voilà, bah, c'est bien comme ça. C'est-à-dire qu'on appuie. Alors, si vous avez une harpe celtique comme la mienne, vous avez la place. Certaines ne l'ont pas, donc vous allez tricher. Vous n'avez qu'un bout d'ongle pour essayer de le faire. Mais vu que c'est une corde en bémol, on devrait quand même entendre. Au pire, si vraiment vous ne pouvez pas avec entre l'espace du levier et de la cheville, ça marche aussi parfois en appuyant sur la table. Vous pouvez toujours essayer de faire ça. Et puis sinon, tant pis, vous faites une tierce normale. J'ai mis pianissimo, mais ce qui est intéressant, c'est qu'après ces grands fortés, dans la musique contemporaine, aiment utiliser les codes, les outrances du fortissimo au pianississississimo. Donc là, vous allez vraiment pouvoir, j'ai mis un accent sous la basse pour qu'elle dure tous les temps, mais... C'était un peu trop. Ouais, c'était trop des deux côtés, parce que j'ai mis un accent sur la main gauche... Histoire qu'elle dure tous les temps. Mais quelque part, on est sur deux cordes métal. Et même si je fais un piano comme ça, ça va rester. Donc, l'idée de l'accent, c'est surtout que ça dure. Que ça ne soit pas un son qui soit détimbré trop. Mais après, vous pouvez aussi être très pianissimo. Si vous êtes trop pianissimo, on entendra à peine votre bend. Ce qu'on appelle le bend, en fait, le son vibré. Donc, il faut trouver le juste dosage pour que ça soit audible. Puis ensuite, on retrouve le thème avec des sons xylo. Et donc, ça oblige évidemment à déplacer sa main gauche aussi rapidement que la main droite. Ensuite, vous avez un mélange de la mi-ré qui se décale. C'est du 3 double qui se met dans une carrure de 4 double. Donc, la mi-ré, la mi-ré, la mi-ré, la mi-ré, la mi-ré. La mi ré, la mi ré, et la main gauche do sol do sol do sol. Donc l'idée c'est de la nuée de virus crescendo. Et au moment où on passe les deux premières mesures, on descend de do sol à do fa main gauche. Donc les mains sont les unes dans les autres, ré mi la main droite, do fa main gauche. Donc c'est pour faire l'idée d'une nuée de criquet, quoi, si vous voyez ce que je veux dire. Et là, j'ai mis trois pianissimo. Il faut que ça soit flou, il n'y a pas une fin précise. Ensuite, on revient à quelque chose de rigoriste. Alors, on peut imaginer ce qu'on veut, on peut imaginer que le virus a infecté, on peut imaginer donc le monitoring. Avec ensuite hop, alors ça c'est ce que vous voulez, c'est la guillotine, c'est la fin, c'est la mort, c'est ou rien du tout finalement, c'est vous êtes barré dans la nature avec le coronavirus et tout va bien, vous êtes juste dans la nature. Enfin bon, vous imaginez ce que vous voulez, vous imaginez l'injection de la seringue, vous êtes vacciné. Voilà, ça c'est possible aussi. Ouais, ça me donne envie de vous lire le poème qui est en dessous. Frêle et misérable, mal vêtu, laine croisée à la croisée de nos codes, s'approche par sauts, par passages indélicats, d'un creux de nez à un creux de main. Puis, dans un seul souffle, il te parle. « Je suis ton ami, dit-il. Ne nous quittons jamais. » Voilà, donc ça, c'est pour le virus. Donc, qu'est-ce qu'il y a de particulier en niveau technique dans ce morceau? Apprendre à tenir le bâton. Bon, là, c'est trois notes avec des deux. Là, c'est apprendre les notes avec les secondes. Apprendre à faire une harmonique main droite.
l'harmonie que je vais vous remontrer. Les sons vibraient, découvertes. Son xylo se dépêchait dans le déplacement de la main gauche pour étouffer. Là, c'est un exercice un peu de vitesse où il y a du 3 qui se décale sur du 2, mais ça tombe assez vite sous les doigts avec un sforzando piano. La, Mirella, 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 etc. Une diminution dans le presque détimbré. Laisser vibrer, élever veut dire laisser vibrer. Ensuite, le côté frappé. 1, 2, 3, 4, chute. 2, 3, 4, 1. Et. Voilà, rien de particulièrement méchant, c'est juste qu'il faut le vivre intérieurement. Et ce fameux coup de guillotine. Infection, mort, vaccination, ce que vous voulez, qui correspondent à votre imaginaire, à votre vécu et à vos croyances. Voilà, donc, comme je vous l'avais dit, un virus un petit peu particulier. Juste pour les harmoniques, je vais faire un petit cours sur les harmoniques pour le coup, parce que je pense que c'est pas mal. Donc là, je vais mettre plutôt main droite, voilà. L'harmonique main droite, qu'est-ce que c'est? Il ne faut pas oublier qu'une harmonique, donc c'est une composante du son. C'est-à-dire que quand vous faites un fa, et que si vous le prenez en photo à l'oscilloscope, vous avez naturellement dans ce son ces harmoniques qu'on va trouver qui sont des fractions. Fa, si je coupe en deux, donc je coupe avec quoi? Je vais couper avec le plat de mon deuxième doigt, et je vais couper exactement à la moitié. Et mon pouce... Ensuite, il va se placer au-dessus et il va tirer la corde. Donc l'idée, c'est, je fais mon fa et ensuite je décale la main. Sinon, vous avez vu, le son reste, enfin, ne sort pas. Donc ce fa, il sort à l'octave du dessus. Fa d'en bas. Je fais l'inverse de ce qu'il y a dans mon morceau, c'est-à-dire je joue le fa harmonique et ça devient le fa du dessus. Dans mon morceau, c'est le fa du dessus qui arrive et je fais une résonance avec l'harmonique. Il faut savoir qu'il y a plusieurs harmoniques sur une corde. Voilà, là j'ai coupé la corde à un tiers. Alors, ça se joue à pas grand chose, sinon vous allez faire des plocs. Hein. Vous voyez, il y a plein d'harmoniques qu'on peut attraper dans le son. Main droite, on les fait en général comme ça. C'est soit vous mettez sur le plat du deuxième, soit sur l'os. Moi j'aime bien le mettre ici, pour la précision. Il faut savoir que plus on monte... Plus il faut baisser un peu cette distance pouce 2, tout simplement parce qu'on n'a pas la place. Et plus on est là-haut, plus c'est difficile de les attraper, ces harmoniques. Quand on est avec l'autre main, la main gauche, donc évidemment, c'est le même principe, mais zut, je vais être trop... Comment je vais faire ça? Hop. Est-ce que lui, il veut bien monter? Non, il ne veut pas. Je vais me mettre en plan large. Touk, touk. Voilà, donc je vais le faire avec ma main droite, mais c'est pour vous montrer. Donc c'est pareil, votre paume coupe exactement à la moitié de la corde, la moitié entre le bas et l'endroit où c'est. C'est-à-dire que si c'est la cheville, parce que la palette elle est en bas, c'est la cheville. Mais si la palette est engagée, ça va être l'endroit où la palette touche. Et je dis ça parce que quand vous avez un fa dièse, enfin une palette levée, les harmoniques ne vont pas être exactement au même endroit, vous voyez ? Vu que là, mon levier est enclenché, ma corde est donc plus courte et donc mon niveau du milieu va être légèrement plus bas. Vous voyez, je suis obligé de descendre un peu, alors que sinon... Voilà, là, c'est au même endroit, alors que là, j'ai dû baisser. Je ne sais pas si ça se voit très bien sur le plan large, mais c'est comme ça. Autre chose aussi, avec la main gauche, on peut faire... quand on fait des doubles harmoniques, on fait... Pousser deux. Voilà, là j'ai sol et mi ensemble. Et je trouve que parfois de faire qu'avec le deuxième, c'est-à-dire je coupe toujours avec la paume et je joue le deuxième, parfois c'est vraiment bien. Là je le fais avec ma main droite, mais avec la main gauche. Je trouve qu'on a une précision. C'est différent, le son est différent et j'aime assez. Voilà, les harmoniques, il y en a plusieurs. Alors, il y a des morceaux de musique contemporaine, justement, où on joue sur les harmoniques. Donc, ça, c'est l'harmonique de base. Ça, c'est l'harmonique de quinte. Parce qu'on entend bien le La. D'abord, on entend ce La. Puis, le Mi qui est là. Ensuite, la double octave. Et ensuite, la tierce majeure qui va être légèrement...
elle est un peu haute, je crois. Et ensuite... Ah non, pardon. Donc amusez-vous à ça, c'est amusant. La, mi, la, do. Et ça, naturellement, c'est dans le son. Quand vous jouez cette basse, vous avez toute cette richesse-là. Et plus vous apprenez à articuler, plus la profondeur des harmoniques, et plus votre harpe est accordée, et plus les harmoniques vont être là tout le temps, et plus ça va créer quelque chose de vraiment très très beau. Et la qualité d'un grand musicien, c'est la profondeur de ses harmoniques. Il joue un son, et avec une note, il y en a 10 000 des sons. Alors que quand on a une technique où on n'articule pas, et ben le son, il est mièvre, il n'y a presque pas d'attaque, il n'y a pas de profondeur, il n'y a pas d'harmonique. Voilà, c'est là que ça se passe. Voilà, puis après, on ne peut pas monter parce que physiquement, il faudrait des tout petits doigts. Et dernière chose qui est amusante, c'est les sons de cloche. Moi, je fais ça comme ça. Vous mettez l'ongle, comme quand on fait le glisser, comme ça. Et avec le deuxième... Bon, j'ai pas d'endroit précis, mais c'est des harmoniques impaires, en fait. Ça fait des sons de cloche. Voilà, moi je les réussis pas toujours, mais ce qui m'intéresse, c'est que ça fait des effets qui sont chouettes. Donc c'est ongles qui poussent sur la corde et ongles qui tirent la corde. Ça fait qu'on est très, très sec. Vous entendez là tout ce qu'il y a ? Et ça marche sur les métals. Ça marche aussi sur les nylons, mais sur les métals, il y a quelque chose de très magique. Voilà, eh bien, nous avons fini avec ce nouveau tutoriel très spécial autour du virus. Je vous souhaite quoi ? Je vous souhaite d'être bien, d'être en bonne santé, d'être apaisé, de ne pas être dans la peur. D'être heureux de faire de la harpe, d'être heureux d'être auprès de vos proches et de ne pas rentrer dans toutes les peurs qu'on peut nous mettre. Voilà, sur ce, je vous souhaite beaucoup de plaisir avec votre harpe. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tutoriel. Et voilà, vous pouvez me soutenir toujours via Tipeee, un don ponctuel ou un don mensuel. Ou acheter mes partitions, Salvi, Kamak, magasin de la harpe, mon site françois-pernel.com pour les partitions au téléchargement. Et voilà, et je vous remercie, continuez à faire passer le message autour de vous. À très bientôt et bon jeu.